C'est bon. Donc allez, bonjour tout le monde, c'est Kevin pour un nouveau vidéo, une nouvelle vidéo sur 13. Donc on va continuer, on s'est arrêté la dernière fois. Hop, on est parti. Par contre, c'est pas ça, mais... Ah bah j'ai plus de vie. Merde. Plus de bruit. Chose par là? Non. On continue les recherches. Là-bas, regardez. Voilà, avec un. Merde! Je suis tombé. Chier. Tac, 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 tac. Quelque chose par là? Non. On continue les recherches. Là-bas. Ouais, mais quel jeu? Moi j'aime bien ce jeu-là, c'est un très bon jeu. Moi je vois pas ce que je peux faire contre d'autres comme jeu en live, en vrai. Faut être réaliste. Je sais pas du tout ce que je peux faire comme jeu, merde. Un tuner, impeccable. Juste c'est un très bon jeu en vrai. C'est bon, vous avez des morts, impeccable. Je suis pas sûr que ton cousin de 5 ans va jouer au jeu pour la seule raison qu'il est interdit aux moins de 18 ans. Donc voilà, c'est un truc à savoir. Attends, interdit au moins de 18 ans ou au moins de 13 ans? Je sais plus. J'ai un doute sur ça. Et il est interdit au moins de 16 ans. Donc voilà. Il est interdit au moins de 16 ans, 13. Ben, je suis à la hauteur. Et même en 2002, il était même interdit au moins de 13. Donc ils ont augmenté le PD sur le jeu.
passage. Faut pas tomber, non? What? Par où je passe? Ah si, je passe. Bah d'accord. Ah, fallait sauter là. Ah bah d'accord. Ça c'est un vrai jeu. Par contre CSGO c'est de la merde, oui. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord pour dire ça. Alors tu t'en sors ? Il y a un passage derrière les ruines. L'avion n'est pas loin. Après, comment veux-tu aussi avoir... Comment veux-tu avoir confiance en moi si on me descend dès que je fais un truc autre chose? C'est... Donc dès que je change de jeu, on me descend aussi, donc c'est toujours comme ça. Je sais pas comment elle a fait pour mettre un animal là, mais bon. Il y aura un sprocket quelque part. Il est où? Merde.
C'est bon, on a réussi. Jones, enfin. J'ai l'impression d'avoir passé 3 mois au fond d'une boîte de conserve. Alors, que diriez-vous d'une petite virée au Mexique, capitaine? Margarita et sable chaud? Plutôt Rangers et béret rouge. Accroche-toi, il nous reste peu de temps avant la réunion. C'est le colonel McCall qui dirige le camp Spad. Kim le soupçonne de faire partie de la conspiration. Ne t'attends pas à rencontrer beaucoup d'intellectuels. C'est plutôt le genre bas du front là-bas. Et puis c'est peut-être encore une arnaque de cette blonde. Moi je lui fais confiance. Tu lui sauves la vie et elle se fait la malle. Jalouse, Major. Tu as le droit de rêver. Hop, allez, on doit aller au Conspad, donc là, on doit... D'après le plan, il y a une sortie d'égout près du Mirador. Fais attention au projecteur. Qu'ils se prennent déjà pour des héros. C'est où McCall est allé chercher ses bouseux. La vache. Il nous a ramené une belle brochette de vainqueurs. J'avais pas monté. Ça, continuez à charger le sous-marin. Mais on risque de se faire repérer. Qu'est-ce que je vous ai dit? Rompez! À vos ordres! Là, c'est le coin le plus dur, ça. Des nouvelles du numéro 13. La mangouste et ses hommes finiront bien par l'avoir. N'alarmons surtout pas le numéro 1 avec ce problème. Les hommes sont également sur leur garde, général Stonewell. Et je... Parfait. Trouve vite la tente de McCall et va y installer le micro. Impeccable, on avance bien là. Donc là, faut partir par là. Donc là, faut être discret maintenant.
Donc lui il s'appelle Jason Fly. Jason Fly. Hey Fly. Je pars en perme ce soir. Ne profite pas de mon absence pour me doubler. Tu m'as peut-être battu à l'entraînement hier, mais ça ne fait pas de toi un héros. Steve Holland, l'homme dont j'ai pris l'identité. Tu peux fuir, tu peux croire, tu n'as qu'à fermer les yeux pour mieux me voir. Je suis perdu, c'est sans espoir. Oui, j'ai dû encore. Que la mer me rendait. Putain, je fais n'importe quoi. Ça a l'air d'être difficile, ça. Déjà, on va sauvegarder. Voilà. L'a débouché. Ensuite, puni. Jason Fly. Hey, Fly. Je pars en perme ce soir. Ne profite pas de mon absence pour me doubler. Tu m'as peut-être battu à l'entraînement hier, mais ça ne fait pas de toi un héros. Steve Holland, l'homme dont j'ai pris l'identité. J'ai dû encore lever en cœur le nuage reculé et que la mer me... Thank you.
Ah putain! J'ai eu pas. Ah, on repart là, putain, c'est chier. Attendez, je reviens. Alors, continue. Le let's play. Je crois que le général Karim. Jason Fly. Hey Fly, je pars en perme ce soir. Ne profite pas de mon absence pour me doubler. Tu m'as peut-être battu à l'entraînement hier, mais ça ne fait pas de toi un héros. Steve Roland, l'homme dont j'ai pris l'identité. Tu peux fuir. J'ai dû encore rêver encore. Les nuages reculaient que la mer me rendait tout ce qu'elle m'avait volé. Voilà, impeccable. Et on continue. On va par là maintenant.
J'ai bouffé trop de chili. Tu dors dans quelle tente déjà? La tienne. Je vais le tuer, ce pistolet. Il paraît que McCall a replanté la tente qu'il utilisait pendant la guerre du Golfe. Ça devrait te donner une idée de la couleur. Colle le micro derrière l'interphone. Personne ne nous verra ici. T'en veux une? Non, merci. Tu ménages tes poumons pour les grandes manœuvres? Ouais, j'ai hâte de prendre mes armes. Ouais, avec une simulation. Ouais, moi je sens qu'il va y avoir plus d'action. Messieurs, prenez place. Ici numéro 11. Est-ce que vous me recevez? Affirmatif. Numéro 3, parlez le premier. Bonsoir, numéro 1. Le président Galbraith croit toujours à la simulation d'un état de guerre. Et il vient d'autoriser les Spads à encadrer l'armée pendant les grandes manœuvres. À vous. Bien. Numéro 5. De mon côté, j'attends la liste des soutiens financiers de la Cour. Numéro 9 me la remettra au Plaza demain. À vous. Numéro 11. Les chargements d'armes arriveront à destination ce soir. Et mes hommes sont impatients de servir la cause. À vous. Parfait. Des nouvelles du numéro 13? J'ai ici son dossier militaire. Je l'ai fait disparaître du Pentagone afin de bloquer l'enquête du FBI. Bien. Pour ce qui est du numéro 17, inutile de continuer les recherches. J'ai quelque chose ici qu'il va forcément venir réclamer. La réunion est terminée, messieurs. Bonsoir.
Je vous raccompagne. Ce fut un privilège de vous rencontrer, colonel McCall. Il est encore plus impatient que ces hommes, n'est-ce pas, colonel? On ne peut rien vous cacher, général. C'est dans la boîte. Récupère le dossier Roland si tu veux prouver ton innocence. Je ne sais pas où McCall a prévu d'envoyer son stock d'armes, mais on va le faire sauter. Ah non, quel con. J'ai bouffé trop de chili. Oh non, putain! Je fais n'importe quoi. Faudrait que je sauvegarde déjà pour commencer. Ah putain, je fais n'importe quoi. Bon alors, on va arrêter cet épisode de 13 là, parce que bah, je vais bientôt les manger. Donc on en reprendra tout à l'heure pour ceux qui regardent la rediff de live. Donc pour ceux qui regardent, donc, je vais vous laisser là et je vous dis bonne soirée. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.